J'ai le grand plaisir de vous présenter mes créations. L'une des choses très importantes pour moi, c'est les rencontres et les échanges. Cela me permet d'enrichir ma démarche de création artistique et de comprendre la perception de celle-ci. Merci beaucoup. Je remercie Sonia Monti de nous avoir accueillis dans sa galerie, bien entendu, pour avoir cette interview autour de ton travail. Tout à fait. Fanny Ferry, et qui a présenté une série de quatre œuvres, dont deux sont présentées ici. Alors, notamment dans ces tableaux que tu intitules. Alors, Tourbillon de l'âme, donc c'est un format 61/50, la technique mixte sur toile, et donc la matière, on a donc de l'acrylique, du prisme, du moon, du vitrail, et donc pour terminer, de la résine. Et divine dans celui-ci. Donc divine, donc c'est sur toile, et donc la matière, donc de la résine, de l'acrylique, et donc. Où effectivement, il y a un côté évidemment spirituel. On est au-delà des religions, c'est pas la question. Oui, non, c'est du spirituel pur, c'est plutôt lié à, on va dire, un sentiment d'amour, par exemple. C'est ça. Voilà, tout est en touche très sensible. Il y a quelque chose de très émouvant. Puis surtout, c'est une spontanéité, une grande spontanéité dans ton travail. Oui. Non, c'est bien. Voilà. Merci Jean-Christophe d'être là donc avec moi à la galerie Sonia Monti. Voilà. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup et je remercie Sonia Monti de nous avoir accueillis dans sa galerie, bien entendu. Comment vas-tu depuis notre dernière rencontre? Merci pour l'accueil déjà, c'est bien. J'ai plein de petits projets, de gros projets, donc je bosse, enfin, malgré cette époque un peu bizarre, mais Faut continuer. J'ai aussi un gros projet avec un musée au Luxembourg, c'est le musée de la résistance du Luxembourg, où je vais aborder des thèmes de résistance, résilience, exil, migration. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que je vais faire là. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien dans cette toile, c'est à la fois l'explosion d'expression. Et pour moi, le dripping, c'est le point haut de la spontanéité. Parce que ce n'est pas calculé. Soit ça coule bien, soit ça coule mal. Et voilà, c'est vrai. Ça reste avec toi. Merci. Je m'appelle Jardine, guitariste, auteur, compositeur, arrangeur. J'ai découvert les œuvres de l'artiste Fadi Ferry dans certaines galeries sur la place parisienne. J'ai vu des œuvres de l'artiste et je me suis dit, je ferai un clin d'œil. L'œuvre que vous écoutez a pour titre Symphonie for Sophia en anglais ou Symphonie pour Sophia en français. And Focus London 2021, we are going to start from July to September to invite artists from all over the world. In Picture Via Gallery, we are going to show the artist body. Donc je vais avoir le plaisir de représenter deux œuvres donc, au salon Focus Art Fair Londres de juillet à septembre 2021. Elle a été créée en 2019, donc avant tous ces événements. Alors, la deuxième œuvre se nomme Espérance. Et donc, c'est une œuvre 2021. Et pour terminer, la meilleure des choses, toujours avoir l'envie, le dynamisme de créer et d'aller plus loin encore au bout du monde. Exactement. Merci à vous. Je vous remercie à tous.
Et pour tous ceux qui me suivent donc sur mon site www.fferry.com,